Où on va, capitaine? À Principe, quartier maître. On met le cap vers les côtes de l'Afrique. Capitaine Kenway. Encore une situation tragique, Robert. J'espère qu'on pourra changer ça un jour. Cesse de me suivre et ton souhait sera comblé. Tout ça ne mène à rien. Tu sais que je suis un homme de parole. Notre cher vieux Howell vient de trouver la mort lors d'une embuscade des Portugais. Cette tête de mule. Je lui avais bien dit de ne pas aller à terre. Je reconnais la marque. Des Templiers Burgess et Cockram. Les hommes qui t'ont conduit de force à la Havane. Ah, je vois désormais que nul ne se soustrait à l'attention des Templiers, n'est-ce pas? J'imagine qu'il est grand temps de riposter. Voilà une idée séduisante. Et je sais comment procéder. Mais ces hommes, Burgess et Cockram, ils ne doivent pas quitter Principe, ils savent que j'en ai réchappé. Ils mourront. Je te l'assure. Si tu vois des hommes de mon équipage, prends leur service et envoie-les ici. Je ferai de mon mieux.
Dépêchez-vous un peu ou on partira sans vous. Secouez-vous et rappliquez au port en vitesse, nous levons l'ancre. Tu nous as bien eus, Kenway. T'as enfin montré ton vrai visage. Mais pourquoi? Pour satisfaire son sale orgueil. Vous vous êtes mis entre moi et ma prise. Ça s'avère souvent fatal. Un crétin arrogant. Or, Nigold avait bien raison. Ces Templiers ne sont que de vulgaires charognes. Comme vous tous. Et toi, tu es la pire de toutes, Kenway. Ce sont les Templiers qui nous ont accueillis quand tout s'est effondré. Pas notre roi, ni notre pays. Les Templiers. Les Templiers sont une vraie famille. Où est la tienne? Service officiel n'offre qu'une maigre pitance et une solde de misère pour notre dur labeur. Mais nous, gentilshommes de fortune, jouissons d'une grande satisfaction, du plaisir et de l'aise, de la liberté et du pouvoir. Alors quel homme doué de raison préférerait la première solution? Lorsque le seul risque que courent les pirates est de se faire fusiller du regard par ceux qui n'ont ni force ni splendeur. Cela fait 6 semaines que je suis parmi vous.
Et pendant cette période, j'ai adopté votre point de vue. Avec tant de zèle et de conviction que vous pourriez prendre peur en me voyant incarner vos passions avec tant d'ardeur. Mais si c'est un capitaine que vous voyez aujourd'hui en moi, alors oui, je serai votre capitaine. Yeah ! Car sachez que j'ai plongé les mains en eau trouble et qu'en les retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot. Je suis flatté par tant d'obstination. Tu dois trouver l'observatoire. On raconte que t'es le seul à savoir où il se trouve. On ne t'a pas menti. En dépit du dédain que m'inspire ton avidité, je crois percevoir en toi une touche unique de génie. Je suis Bartholomé Roberts. Edward. Je n'ai aucun secret à te révéler. Mais si tu m'accordes ton aide, d'ici 2 mois, quand nous serons aux îles sous le vent, tu auras tes réponses, j'en fais la promesse.